Maison Adam. Ce n'est pas la première fois que Bose propose un nouveau produit pour écouter sa musique différemment. Il y a quelques années, la compagnie a mis sur le marché le haut-parleur de cou Soundwear, qui, malgré ses qualités, n'a pas eu la popularité escomptée. Un peu plus tard est arrivé les lunettes Frame, qui incorporaient de petits haut-parleurs pour écouter de la musique et prendre des appels. Mais malgré leur bonne qualité, après quelques générations, Bose a finalement décidé de tirer le rideau. Cette année, Bose retente son coup avec les Open Air et à mon avis, cette fois, c'est la bonne. Comme quoi, la persévérance finit toujours par payer. Je vous explique pourquoi. Eh bien, la première raison, c'est la délicate question de « est-ce que mes écouteurs vont bien tenir dans l'oreille? » Avec les écouteurs, cette question en revient presque toujours. Soit parce qu'on a des oreilles trop petites, soit parce qu'on bouge beaucoup lorsqu'on écoute de la musique, ou tout simplement à cause de la sueur après un exercice intense. Avec les Open Air, cette question est réglée. La manière avec laquelle ils se fixent aux oreilles offre un support de beaucoup supérieur à tous les écouteurs bouchons que nous avons testés. Même l'hiver, si on porte une tuque ou un casque de ski, on peut les porter sans crainte qu'ils tombent et écouter sa musique. D'ailleurs, pour ceux qui font du sport ou de l'exercice à l'extérieur, c'est de loin une solution beaucoup plus sécuritaire que les casques et les écouteurs. Comme les Open Air ne bougent pas le conduit auditif, on entend tout ce qui se passe autour de nous. C'est un peu comme si une musique d'ambiance nous suivant tout le temps, mais tout en demeurant alerte. Une autre raison, c'est le phénomène des conventions sociales. Même si certains casques et écouteurs laissent passer le bruit pour entendre ce que les gens nous disent, c'est toujours un peu bizarre de garder son écouteur ou son casque sur la tête quand on s'adresse à quelqu'un. Comme les Open Air ressemblent plus à une grosse boucle d'oreille qu'à un écouteur, on a plus de problèmes. Et enfin, le plus important, c'est la question de la qualité sonore. Personnellement, je crois que ce qui a le plus nuit à la popularité du haut-parleur de cou Soundwear ou encore aux lunettes Frame, c'est que leur qualité sonore n'était pas aussi bonne que celle qu'on retrouve sur un bon casque ou un bon écouteur. Et ça, ce n'est pas le cas avec le Open Air. Le son est tout simplement, je vous dirais, excellent. On a de la base, tout ce qu'il faut de détail et même de la profondeur. Franchement, cette fois, c'est tout à fait comparable à celui d'un très bon écouteur Bluetooth. Bon, finalement, les Open Air, à qui ça s'adresse? Si vous recherchez un appareil pour de l'entraînement avec des exerciceurs comme un tapis roulant, si votre besoin c'est d'obtenir du silence, ou encore si vous recherchez un appareil pour faire des appels, dites-vous qu'un écouteur ou un casque à réduction de bruit demeure préférable. Mais si votre objectif c'est d'écouter de la musique ou vos podcasts à l'extérieur sans avoir peur de les perdre et en demeurant alerte à ce qui se passe autour de vous, là c'est vraiment un super beau cadeau à se faire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.